Qui a dit que la chanson québécoise n'intéressait pas les jeunes? Tout est dans la manière de l'enseigner, semble-t-il, et notre explorateur urbain a rencontré un acteur, compositeur, interprète qui sait bien, lui, comment transmettre aux jeunes sa passion. Ce chanteur s'en va à la rencontre de son public. Yvan Pillon est auteur-compositeur-interprète. Il fait carrière depuis maintenant plus de 20 ans. Ah, le voilà qui fait son entrée sur scène. Bonjour! Bonjour, Yvan! Ça va bien? Oui! Excellent! Tout le monde est en forme pour chanter encore ce matin? Oui! Dans ma petite ville, on était jusqu'à 1000, puis la rue principale à Sable, à Saint-Cyril. Yvan Pillon a peut-être fait ses classes comme musicien, mais c'est encore dans les classes qu'il se sent le plus utile. Depuis 5 ans, il enseigne l'histoire de la chanson québécoise à l'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Et il le fait en chantant. C'est l'époque de l'Expo 1967, où pour la première fois, le Québec recevait des délégations internationales, donc c'était comme une ouverture sur le monde. On va la chanter. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. Faut le faire. Dans ce cours de français, on apprend la politique, l'histoire, la poésie, en chantant et en tapant du pied. Qui a dit que l'école était plate? À quoi ça sert? Ça sert à éveiller les racines de notre culture. Ce que je veux dire par là, c'est que la musique est partout, tout le temps. On est saoulé par ça dans les ascenseurs, à l'épicerie, dans l'auto, etc. Puis on est inconscient de ce qui se passe, probablement, la plupart du temps, les messages qui sont véhiculés là-dedans. Les élèves en redemandent. Je m'intéressais plus à la musique comme anglaise, mais avec ça, on apprend plus qu'est-ce qu'ils chantent et qu'est-ce qu'ils disent, fait que c'est plus amusant. Malgré les apparences, n'allez pas croire que le cours est une récréation. En secondaire 2, faire de la politique, faire de autant de notions religieuses, sociales, économiques, là... Faut qu'il soit éveillé à ça. Fait que quand il commence à prendre des notes, là, on dit l'examen va avoir 250 questions. C'est comme, my God, c'est pas ici qu'on va perdre notre temps. Il y avait un vieux dans le bord du fleuve avec une terre de 30 arpents. L'atelier Chansons québécoises 101 d'Yvan Pillon est offert partout en province. Suffit d'en faire la demande à l'artiste. Voilà déjà la fin du cours arrivé. C'est que le temps passe vite en chantant. Têteux un jour, têteux toujours. Je n'allais pas oublier de remercier le professeur et le chanteur. Dominique Arpin, TVA, à Saint-Hyacinthe.